Bonjour à tous, jeudi, rendez-vous sur l'hippodrome de Deauville pour l'émission Quinté Flash 1, Quinté Plus très relevé. C'est dans le Hong Kong Jockey Club, le grand handicap des sprinters. Comme son nom l'indique, ce handicap réservé aux chevaux âgés de 3 ans et plus va se disputer sur la distance réduite de 1200 mètres. Un parcours en ligne droite, il va falloir aller très très vite. Dans cette rencontre intergénérationnelle, un seul 3 ans a osé relever le défi face aux aînés. Est-ce un signe? On va voir qui va triompher ici. On attaque avec les bases et le numéro 10, Tertius. Il retrouve Purest Time, qui avec un net avantage au poids cette fois. Il y a vraiment de la revanche dans l'air, à mon avis. Entre ces deux-là, je pense que Tertius devrait pouvoir prendre la mesure de son rival. Le parcours, on l'a bien vu, lui convient parfaitement. Le numéro 1, Purest Time, justement, on y vient. Sa victoire sur ce parcours lui vaut 3 kilos de pénalisation. Mais attention, sur cette distance, le poids, c'est moins, me paraît moins un petit peu important. Je pense qu'il est capable de réaliser encore une belle perf et de disputer la victoire. Il a quand même de la marge. Le numéro 6, Tudoben, c'est un sujet d'expérience. On le connaît évidemment à ce niveau de la compétition. Il a prouvé qu'il pouvait rivaliser à ce niveau dans cette catégorie et surtout sur cette distance réduite. Moi, je pense qu'il a son mot à dire. Les opposants avec le numéro 2, Le Tabou. Il a pointé en 48 de valeur ce cheval. Il a baissé au poids depuis et je pense qu'il demeure bien compétitif à ce niveau de la compétition et surtout sur cette distance réduite. Le numéro 5, Kimi Orenda. Elle revient dans les handicaps à un poids qui me paraît plutôt intéressant et elle est capable de pouvoir s'illustrer ici. Les tracés de vitesse ont sa préférence, donc on peut dire que tous les feux sont au vert. Le numéro 15, Whistle and Flute, il a déjà bien fait à cette valeur-là et sur cette distance surtout. Donc ça me paraît plutôt pas mal, il faut le suivre ici. Le numéro 13, Major Oak, il a pris 7 kilos en deux victoires. Alors certes, bah, ça fait moins de marge pour lui de ce compter-là, mais ça, la forme est là. Des fois, la forme prime évidemment, comme on dit, la classe, mais moi je pense qu'il devrait pouvoir bien courir sur cette distance plutôt courte qui devrait mieux lui convenir. En coup de poker, c'est le numéro 3, Rock Boy. Il ne court pas si mal dans la course référence du 7 juillet où il terminait à la 6e place. Moi, je pense qu'il va monter là-dessus, surtout que c'était une petite rentrée à cette occasion pour lui. Il va courir en progrès, il ne devrait pas taper loin. Les outsiders avec le numéro 7, Drôle de Dame, en 41 de valeur, ça semble certes un petit peu plus compliqué pour elle, mais on ne va pas la négliger pour une place. Le numéro 11, White Platine, il a beaucoup d'expérience ce cheval et se plaît sur les tracés réduits. Il peut viser une place ici à l'issue d'un bon parcours. Le numéro 14, Drogo, le parcours lui convient bien, mais il doit montrer un petit peu autre chose évidemment que notamment de sa précédente tentative. Donc on le verra plutôt dans une combinaison élargie. Le numéro 17, McTennet, le seul 3 ans à relever le défi face au mal. Pardon, pas face au mal, face aux aînés plutôt. Il peut créer une petite surprise ici, car son poids est en baisse. Donc voilà, on va s'en méfier, surtout que bah, Christian Desmureaux est en selle. Le numéro 9, Torpen, alors il n'y arrive pas en ces derniers temps à cette valeur. Pourtant, bah, son poids ne bouge pas. Donc c'est pour cette raison que je vais quand même pas l'éliminer, mais je vais plutôt le mettre en fin de jeu. On termine avec les délaissés, numéro 12, Chiapa. Sa valeur est en baisse, mais ça ne paraît pas évident une nouvelle fois pour lui dans cette épreuve, donc je l'écarte. Le numéro 4, Aversa, on l'a vu plus à son affaire sur des distances un peu plus longues. Dans ce lot à ce poids, ça ne me paraît pas simple. Le numéro 16, Aïe John, sa valeur est en chute libre, mais c'est normal au vu de ce résultat médiocre. Pour moi, il aura du mal à refaire surface ici. Le numéro 8, Wild West, il a effectué une rentrée plutôt discrète, mais c'est surtout son poids qui m'embête. Ça me paraît compliqué pour lui à cette valeur. Voilà, on a passé en revue le partant de ce joli quinté de Deauville, de ce jeudi 15 août. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.